Paris, 3e avec 19 points, reçoit Marseille, 9 places et 7 points derrière. Pourtant, ce classique apparaît un peu plus équilibré qu'il n'y paraît. Le PSG n'écrase pas la Ligue 1 comme les saisons précédentes et la patte Unai Emery tarde à se concrétiser sur le terrain. Côté marseillais, le nouveau propriétaire Franck McCourt a frappé fort ces derniers jours en enrôlant Rudy Garcia sur le banc à la place de Franck Passy, et ce changement d'entraîneur peut apporter ce choc psychologique avant un tel match. Très rapidement, le PSG s'installe dans la moitié de terrain marseillaise avec une large maîtrise du ballon sans pour autant se créer des occasions de but très franches. Yoann Pelé est obligé de s'interposer sur un centre d'Aurier et le ballon de Di Maria ne peut être exploité par Edinson Cavani. Matuidi est remplaçant. Le trio du milieu de terrain s'articule autour de Mota, Verratti et Rabiot. Les Parisiens ne se montrent dangereux que sur coup de pied arrêté. Edinson Cavani ne cadre pas sa tentative. On retrouve l'Uruguayen quelques instants plus tard. S'écroule avec ce contact avec Rolando. Monsieur Turpin ne désigne pas le point de pénalty, jugeant qu'El Matador ayant amplifié sa chute. 0-0 à la pause. Le PSG se heurte à l'organisation de l'OM qui s'évertue à bien défendre mais peine dans l'utilisation du ballon. Pas un seul tir olympien, seulement deux situations dans les 30 derniers mètres parisiens. Emery effectue un changement à l'heure de jeu avec la sortie de Verratti pour l'entrée de Blaise Matuidi. Des espaces se créent. La frappe d'Angel Di Maria en première attention n'attrape pas le cadre de Yoann Pelé. Pas la même réussite pour l'Argentin qu'il ne l'a eu en milieu de semaine en Ligue des Champions face à Bâle. Toujours cette possession de balle outrancière des Marseillais, 70% contre 30. Et les coups de pied arrêtés encore pour vecteur de situation offensive intéressante avec cette tête d'Edinson Cavani. Toujours pas de cadre trouvé. Atem Ben Arfa a fait son apparition également, tout comme Ressé, l'Espagnol dans la surface. Cavani peu contrôlé, mais ensuite Maxwell peut armer son pied gauche. Lui qui s'était prêté à marquer lors de Classico, c'est toujours à côté. On avance dans cette partie et les Marseillais solidaires s'accrochent à ce point du match nul. Ressé pour Blaise Matuidi et le centre tendu de Matuidi. Et Edinson Cavani rate incroyablement la cible. C'est dans ces moments-là que les Parisiens regrettent peut-être un certain Zlatan, auteur de 11 buts lors des Classicos qu'il avait eu à disputer. Garcia a densifié sa défense avec 5 joueurs afin notamment d'endiguer les montées des latéraux et ça fonctionne plutôt bien. On en restera là. L'OM tient son 4e match sans défaite. 0-0 score final pour la première fois depuis 2013. L'OM prend un point au PSG qui a dominé mais s'est heurté une équipe valeureuse. Des Parisiens 3e au classement, à 2 unités de Monaco et à 6 du leader niçois.